artistes. On va avoir donc de la musique également. On jase de la bibliothèque du futur, la bibliothèque Gabriel Roy du futur, avec la conseillère municipale de Vanier-du-Berger, donc Alicia Despins. On fait un petit retour sur l'excellent vidéoclip Lesbian Breakup Song de Safia Nolin. Et également, Noémie Gonzalez-Bautista nous glisse quelques mots sur notamment la programmation du OFF Pride. Et tout ça sur les ondes de CKIA. Vous êtes avec Alix et accompagné à la mise en nom de Max Maillet. Et sans oublier bien sûr notre comparse Lux et aussi Sophie, donc deux dames de compagnie ici, et quand même tout un public en studio, et notamment Playsoft et Narcisse. Bonjour! Hello! Alors, on est ici en fait pour parler de un peu de ton projet musical, donc Narcisse. Qu'est-ce que c'est? C'est un collectif? C'est un groupe? Narcisse, en fait, c'est bien spécial. Au départ, c'était juste moi et Playsoft. Donc, moi, je faisais de la musique. Playsoft était à la réalisation puis à l'enregistrement. Puis, au cours des spectacles qu'on a fait cet été, on a commencé à s'associer avec d'autres gens. Donc, il y a Utopia qui nous accompagne toujours en spectacle pour faire de la performance du drag queen. Puis il y a aussi Gabriel Paquette, pas celui-là que vous pensez, un autre Gabriel, pas Gab Paquette. On le reconnaît sous le nom de Point G. C'est un artiste peintre qui fait du live painting pendant nos shows aussi. Puis il y a Utopia, c'est Philippe Després. Exactement, c'est peut-être que vous le connaissez. Performeur, oui. Artiste de performance Philippe Després. Exactement, de Québec, ouais. De Québec, ouais. Oui. Et puis finalement, il y a mon coloc que j'aime beaucoup, Félix Deconin, qui nous filme à chaque fois. Donc nous, ça nous fait toujours du beau matériel à donner à notre petit nombre de fans qui grandit jour à jour. Et pour notre auditoire qui n'est pas familier avec ton style de musique, oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce Narcisse? Que c'est? Je dirais que c'est de la pop synth indépendante. You agree? Oui? Oui, oui, d'accord. En français aussi. En français. Et avec un côté un peu pluridisciplinaire. Oui. Ouais, donc, on explore. Et c'est aussi queer, il me semble. Oui, très important, oui. Alors, je voulais te poser une question sur, justement, le fait de chanter en français. Au début, toi, est-ce que tu écrivais en français? Oh non. Quand j'ai commencé à écrire, je pense que j'avais comme 14 ans. J'écrivais en anglais parce que j'écoutais surtout de la musique anglophone. Puis j'ai écrit en anglais de mes 14 à 23 ans, à peu près. Puis dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que l'année passée, je suis allée faire une résidence à Bordeaux avec l'Ampli de Québec. Puis j'ai découvert comme plus d'artistes français. Puis en fait, ce qui m'a attirée vers la langue française, c'est vraiment la sonorité de comment eux chantent leurs paroles, parce que j'écoutais de la musique québécoise, puis avant je faisais du folk, puis dans le folk, la manière que les artistes chantaient, ça venait moins me chercher. Mais quand j'ai compris que je pouvais le faire d'un français international, là ça m'a comme plus parlé, puis je me suis dit ok, là j'ai peut-être trouvé une sonorité que je préfère exploiter dans le fond. Et tu te voyais pas chanter peut-être dans un accent beauceron de la folk un peu, on apprécie la folk à la Tire le Coyote, oui. Mais c'était pas du tout ce... Non, surtout quand j'ai commencé à prendre un tournant plus électro, c'est sûr que la manière que je chante importe quand même. Je voyais pas vraiment un français beauceron, appelons-le comme ça. Sur de la musique électronique pop, j'étais comme... Ouais. Et quel genre d'artistes t'ont inspiré? Mes grosses influences, c'est surtout Flavien Berger, pour qui j'ai ouvert à Lancy cet été, qui a été comme le plus grand rêve de ma vie qui a été réalisé. Sinon, Vendredi sur mer, une grande influence aussi. Au Québec, c'est sûr qu'on peut pas oublier Pierre Lapointe, Cœur de pirate, des artistes qui chantent vraiment avec un français international bien soutenu. J'ai aussi remarqué des influences un peu de Rita Mitsouko. Ah oui, les années 80. La pop française, Niagara. Oui, Niagara, Je crois qu'on va en jouer plus tard. Oh yeah! En ton honneur. Oui! Et... souvent, les artistes, ils prennent un peu
un personnage. Mm-hmm. Toi, est-ce que tu as eu besoin donc de prendre ce personnage Narcisse? Justement, le nom est un peu évocateur. Ça évoque le mythe de Narcisse, un peu notre génération un peu narcissique. Oui, ben au départ, c'était vraiment ça le concept. Je voulais vraiment comme incarner un personnage vraiment désagréable, super narcissique, comme superficiel à fond la caisse. Mais quand je me suis retrouvée devant un public pour la première fois pour mon lancement, je me suis dit, j'ai pas le goût d'endosser ce personnage-là vraiment comme désagréable, tu sais. Je me dis, en tant qu'artiste, t'as quand même la responsabilité d'avoir une bonne présence, d'avoir une belle influence sur les autres personnes qui t'écoutent. Fait que là, je me suis dit, bon, ben je vais tourner le concept de Narcisse à l'envers. Puis en fait, ce que j'aime promouvoir dans mes spectacles, c'est le fait de s'aimer complètement et de s'accepter soi-même. Puis la phrase que je dis souvent, c'est les gens qui s'aiment vont pas faire chier les autres, tout simplement. Ah, donc c'est un peu de créer un safe space. Ouais, absolument. Rendre les gens confortables, pas être dans la confrontation. Non, jamais, jamais. Pour vrai, c'est sûr que j'aime ça provoquer d'une certaine manière, mais provoquer d'une manière assez passive, pas agressive, c'est pas dans la violence finalement, de toujours comme pousser les choses un peu plus loin, mais subtilement. T'sais, j'aime ça planter des graines dans l'esprit des gens, mais comme très subtil. Puis là, les gens, ils partent du show puis sont comme, j'ai réfléchi à quelque chose aujourd'hui, tu sais. Et justement, j'ai ouï dire que tu fais de la sensibilisation sur certains enjeux queer, comme la non-binarité. Oui. Est-ce que c'est vrai que tu abordes tes spectateurs, spectatrices en leur disant, savez-vous c'est quoi être non-binaire? Oui, ça c'est pas un mythe, ça c'est vrai. Dans une partie du spectacle, j'aime ça en parler parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens en fait qui sont pas au courant que ça existe, la non-binarité tout simplement. Puis je me dis d'en parler juste un peu, juste assez, ben ça peut déjà faire la différence puis d'aider le cheminement des gens finalement à découvrir tous les spectres de l'identité de genre. Que c'est sûr que ma musique, j'aimerais ça qu'elle touche beaucoup les gens queer, mais je suis consciente que ça ne touche pas que les gens queer. Et je me dis, quand même, j'ai un petit travail d'éducation à faire, ne serait-ce que par ma propre existence, puisque je suis non-binaire, de parler de ma situation. Je pense que ça peut aider les autres à s'ouvrir les yeux sur certaines réalités qu'ils connaissent pas. On aime ça. Yeah. Est-ce que ça tenterait une petite prestation d'emblée? Bien sûr. Une petite prestation. On est donc on voit quand même on a tout un setup en studio quand même parce que ce que tu fais aussi c'est de l'électro, donc on a un petit setup mais pas comme sur scène. Non. Ben ça on est pas loin. On est pas loin. Hein? On est pas loin. Il manque une couple de morceaux mais on est quasiment toutes là. D'accord. Donc on peut aller en prestation. Laquelle chanson? Je vais vous interpréter aujourd'hui une nouvelle chanson en primeur sur les ondes de Sekaya. C'est une chanson que je vais probablement sortir, pas probablement, je le lance dans l'univers. Je vais le sortir fin septembre. Et donc, voilà pour vous un petit aperçu de ce qui s'en vient durant le prochain mois. Oh,
J'ai beaucoup aimé ta subversion de la Pénélope de Ulysse. C'était oh my God, you got it! Yes! I got it! Wow! Fort! Donc, c'était ça un peu. C'était exactement ça. OK, donc c'était... Donc, Pénélope, au lieu d'attendre Ulysse, elle attend ça. Ben, en fait, Pénélope attend Ulysse et moi, j'attends Pénélope. Oh! Queerification de Pénélope! Oui. J'ai tout compris! Oui, ben écoute, moi, ma job, c'est de queerifier tout ce qui est mythologie grecque. Donc, un mythe à la fois, on queerifie tellement... ça. OK, c'est... C'est parfait. Yeah. Je serais curieuse aussi d'entendre sur ta d'entendre parler de ta formation. Est-ce que t'as appris un peu de la technique vocale, des cours de musique? J'ai pris des cours de musique en privé. Je suis pas allée à l'école, dans le fond. J'ai pas fait de cégep, université, tout ça en musique. Je suis vraiment, j'ai le goût de dire autodidacte, mais pas vraiment parce que j'ai pris des cours. Mais non, c'est vraiment une passion qui est arrivée comme ça. En fait, j'ai commencé à jouer de la musique parce que j'aimais Guitar Hero. Fait que no shame, hein? Ça arrive comme ça des fois. Mais ouais, j'ai commencé à jouer de la guitare après ça, puis est venu le punk, après ça le folk, puis maintenant l'électro, fait qu'on comprend rien, mais c'est pas grave. Mais c'est dans la poursuite. Exactement. Et pour les thèmes de tes chansons, oui. Est-ce que t'as toujours été... mais là, en ce moment, tu écris un peu sur la mythologie. Oui. Est-ce que t'as d'autres thèmes qui me passionnent? Passionne? C'est sûr que, dans le fond, la mythologie, ce que j'aime faire avec ça, c'est que... je m'appelle Narcisse, fait que c'est sûr que tout part toujours de ce que moi je vis. Et donc, ce que je fais avec la mythologie, c'est que je vais chercher des contes grecs, puis après ça, je fais des parallèles avec ma vie. Comme par exemple la chanson Narcisse. En fait, tout le EP Narcisse, c'est vraiment ma relation avec l'ego. L'été passé, j'ai comme pris conscience de mon ego, ce que j'avais pas fait avant, ce qui est quand même assez extraordinaire, mais là, c'est fait. Donc, je peux plus look back. Puis j'ai décidé de faire un EP sur l'ego parce que je me rends compte que c'est pas tout le monde qui a conscience de son ego puis de ce que l'ego fait en fait. Et puis c'est ça. Donc c'est toujours des chansons qui parlent un peu de moi, mais en même temps tu peux te dire que ça parle à tout le monde ou à quelqu'un en particulier. Puis ce que tu définis comme ton ego, c'est quoi? Est-ce que c'est ta fierté? C'est sûr que la jalousie, hein? Déjà là en partant, belle preuve de l'ego, c'est la jalousie. Ça a comme été mon starting point de quand j'ai pris conscience de mon ego, j'ai fait oh, ok, ça, on pourrait travailler là-dessus, s'il vous plaît, merci. Sinon, c'est sûr que oui, effectivement, la fierté. L'ego, c'est pas nécessairement que négatif, mais souvent je trouve que ce qui ressort de l'ego est négatif. Mais c'est sûr qu'en tant qu'artiste, on en a beaucoup, on oui. gagne à avoir de l'ego aussi. Oui, absolument. Avec parcimonie. Oui, beaucoup de parcimonie. Et justement, tu parlais de ton réalisateur de clip, Monsieur de Conin, comme exactement. Le pavillon. Oui. Donc, donc ton clip, comment ça s'est déroulé? Pour notre auditoire qui n'est aucunement conscient de quoi il est question, oui. C'est quoi ton nouveau vidéoclip? Lui qui est sorti de Narcisse, dans le fond. Oui, de Narcisse. Ouais, en fait, ce qu'on voulait faire avec ça, c'était surtout représenter ce qui se passait dans la chanson, c'est-à-dire moi qui rencontre mon ego. Donc, c'est carrément juste ça. Dans le fond, là, tu viens de comprendre quelque chose. Là, hein? Ouais, la fille qui est dans le vidéoclip, la personne que je rencontre, finalement, c'est mon ego. Un party d'appartement, les gens sont un peu... Sensuels et tout sensuel. Ça. Dans et le fond, tu rencontres ton ego. C'est ça. Dans le fond, la représentation exacte, c'était que je rencontre mon ego. Puis après ça, il y a les deux danseurs qui arrivent, les deux danseurs qui m'emmènent dans le vice, en quelque sorte,
qui m'emmène à justement sortir de ma zone de confort, être plus comme sensuel, relax, puis tout ça. Puis après ça, ben il y a la fameuse scène où est-ce que moi puis mon ego, en bon français québécois, on se pogne. Puis après ça, l'ego quitte. Et donc, moi, je revêtis le manteau et je deviens comme avec mon ego, finalement. Je ne fais qu'un avec mon nouvel ego. On gagnerait tellement à se faire expliquer tous les vidéos. À vous, hein? Mais on avait quand même, j'avais quand même compris le message général et l'ambiance. Parfait. Ouais, ça, c'est déjà et j'avais envie assez... de danser, déjà. Aha! C'est en masse. Ça, on aime ça. Et justement, ce vidéoclip était quand même assez... sensuel. Oui. Et ton personnage quand même explore, je dirais Narcisse, explore quand même sa sexualité. Uh-huh. Et hors d'onde, je blaguais, je disais, ah oui, j'ai vu une vidéo de toi où tu danses avec du tape à titine. Ah, le tape à titine, oui. J'adore ça, pour vrai, je te le vole. Là. Je peux-tu te le voler pour les shows, parler de ça, puis dire que j'ai du tape à titine? Oui, c'est oui, excellent. Oui, ça vient de, je crois, de Marc Labrèche. OK, bon, ouais. Merci Marc Labrèche. Oui, merci Marc Labrèche. Sa parodie d'Anne-Marie Lozic. OK, oui. Je vais aller voir ça. C'est très obscur. Donc au tout début, tu n'explorais pas autant peut-être ta sexualité dans ton personnage. Comment c'est venu? L'idée du cache-tétine. Oui. Ben en fait, justement, on parlait de Gap Pocket, qui n'est pas le Gap Pocket qu'on connaît, point G. Pour la première fois qu'il est venu faire du live painting sur un de nos shows, la première fois. Moi, j'ai toujours eu le fantasme absolu de me faire peindre dessus pendant que je chante. Et donc, j'ai dit, on le fait. Puis, c'est sûr que j'étais peut-être pas super à l'aise avec le fait de me montrer seins nus. Mais pour moi, c'était quand même important de me censurer. Parce que juste avant, je parle au public, puis je dis, c'est-tu moi ou c'est cave que les gars, ils ont le droit d'être en chess, puis pas les filles, tu sais? Ouais. Puis après ça, est venue l'idée à travers le collectif que les autres personnes dans le groupe aussi se censurent, donc même les gars. Donc, si tout le monde est... Le message qu'on a, en fait, c'est si tout le monde est censuré... Ben, en fait, tout le monde devrait être censuré tant qu'il y aura encore de la censure. La journée où est-ce que ça va être correct, ben là, no more cache-titine. Oh! Un jour. Hey, wow! Et le show, c'était où? C'était à Montréal? C'était à La Plante, ouais, à Montréal, qui est comme un... Ça ressemble un peu, je dirais que c'est un peu le même concept que le Pantoum, c'est-à-dire que c'est dans un appartement. Puis c'est ça, c'est comme une espèce de petit show secret, là. Très, ouais. Bring your own beer. Genre, exactement ça. Et pour ce qui est des prochains spectacles, les dates à retenir, qu'est-ce qu'on aurait? On a quelque chose au bateau de nuit prochainement. Oui, le 29 août. Le 29 août dans le cadre de la Off Pride. Ouais, exact, une soirée plurielle. Soirée plurielle. Ouais, avec le DJ Watt Fatigue, que j'ai bien hâte de découvrir. D'ailleurs, oui. J'ai bien hâte d'aller danser là-dessus, ça va Et être assez incroyable. DJ Watt Fatigue. Ça a déjà, elle a été chroniqueuse au Simone ben plusieurs voyons fois. Donc, eh oui. La boucle se boucle. Eh oui, la boucle se boucle. Incroyable. Et oui, il y a des shows que j'ai pas encore le droit de parler, mais ça s'en vient. Sinon, vendredi, si vous êtes à Montréal, sait-on jamais, avec Playsoft et aussi tous les membres du collectif Narcisse, on fait un beau spectacle à l'Escogriffe. À 22h. Donc, si vous êtes à Montréal, vous vendredi, avez le goût de nous suivre. À l'Escogriffe, ouais. 22h. Ouais. Ça va être un maudit beau show. Un beau party. Comment on appelle ça? Le late night party à l'Esco. Mais on Attention. A quand même beaucoup d'auditeurs, auditrices à Montréal quand même. Donc, on pourrait être surpris. Si j'aimerais ça vous voir. Venez danser avec nous autres, ça va être c'est le fun. C'est ça. En fait, on serait peut-être dû pour une dernière chanson. Excellent. Super. Qu'est-ce que tu nous présentes? Je vais vous présenter Echo. Puis c'est drôle parce qu'avant, cette chanson-là s'appelait Ego. Et puis là, avec le mythe de Narcisse et tout ça, j'ai décidé de faire un petit concept puis l'appeler Echo comme dans le mythe de Narcisse, finalement la femme qui lui a lancé un sortilège puis le fait qu'il soit mort. Donc voilà, c'est une chanson qui parle du fait que je voulais me débarrasser de mon ego.
parfois trompée. Ego brisé, miroir cassé. Brisé par la binarité. Mais va-t'en. Merci beaucoup, Narcisse, accompagné de PlaySoft. C'était incroyable. Eh bien, je voudrais juste aussi vous parler un petit peu de la Off Pride, de la programmation, de ce qui se déroule donc en marge un peu de la Pride officielle de Québec. Le jeudi 29 août, il y aura une levée officielle du drapeau Pink Bloc à la place Duville. Et aussi... on va parler aussi d'un happening le 31 août prochain au cimetière Saint-Mathieu. Il y a un happening, une cérémonie mortuaire avec le poète non-binaire Sébastien Aymon. Et je connais personnellement Sébastien et elle me dit que ce sera un mariage entre les différents morts du cimetière Saint-Mathieu. Parce que le queer, c'est souvent construit justement, sur la douleur, la souffrance, la mort, mais aussi la joie là-dedans. C'est en même temps, tu danses, mais tu souffres. Donc, ça va être un peu ça, un peu... ça va être ça. C'est ce qui va se dérouler le 31 août prochain au cimetière Saint-Mathieu. Et aussi, contingent Pink Bloc, le 1er septembre, portée du fuchsia. Donc, à 13h30. Et justement, Narcisse... dans le cadre à la Off Pride, donc à la fin du mois d'août, justement au bateau nuit, alias le boat. Bien, merci beaucoup. Merci infiniment pour la prestation entrevue. C'était génial. Merci. Merci. Et au plaisir de se revoir. Au bateau nuit, au boat. Hey, j'adore ça, le boat. Alors, Max, ce serait-ce possible de mettre un petit jingle en attendant l'autre entrevue avec justement la conseillère municipale du Berger-les-Saules, Alicia Despins. Alors, on a le plaisir ici de recevoir en entrevue la conseillère municipale Alicia Despins. C'est bien du Berger, les Saules ou Vanier? C'est Vanier du Berger maintenant, mais c'est correct. Les cartes électorales ne sont pas à jour. Exactement. Ça change tout le temps. Et Alicia Despins, tu as été, je crois, la plus jeune élue. Oui. Conseillère municipale à Québec. Tu as été élue à quel âge? De toute l'histoire de la ville en 2017. Hein? Oui, exact. J'ai été élue à 23 ans. Oh, wow! C'est vraiment impressionnant. Ce qui n'est pas commun, quand même. Non, c'est pas commun. C'est pas commun. Puis les gens, quand ils me voient, ils se demandent
si être conseiller municipal à Québec, c'est une job à temps partiel, si on a tous 23 ans, puis... mais non, non, c'est pour une vrai job, puis il y a vraiment des jeunes qui font ça. On a le droit, nous autres aussi. Et il y a beaucoup de travail aussi à accomplir. Oui, c'est, on est 21 élus pour une pas pire population d'au-dessus de 400 000 personnes à Québec, là. Donc, c'est quand même pas mal de jobs, mais c'est super le fun. Et justement, je me permets de te tutoyer, est-ce que ça va? Oui, il n'y a pas de Je tutoie la conseillère municipale. un de tes dossiers, justement, c'est la future bibliothèque Gabriel Leroy. Donc, le 18 août dernier, pour notre auditoire, peut-être qu'il dormait au gaz ou qu'il n'était pas trop au courant, la bibliothèque Gabriel Leroy a fermé ses portes pour les deux prochaines années au moins? Oui, à peu près, jusqu'à l'hiver 2021-2022. Jusqu'à l'hiver 2021-2022. Et donc, ne la cherchez pas, elle n'est plus là, mais il y a un point de service. Oui, c'est ça. C'est important pour nous de ne pas fermer... Bon, en fait, la bibliothèque Gabriel Leroy en tant que telle ferme, ouais. Mais de ne pas couper les services. On voulait que les gens puissent quand même pouvoir emprunter des livres, pouvoir avoir accès à... puis c'est encore de plus en plus important aujourd'hui, pouvoir avoir accès à des ordinateurs avec une connexion Internet, à des journaux, papier, à de la musique, des films, etc. Alors, on a ouvert un point de service qui est à quelques centaines de mètres de la bibliothèque Gabriel Leroy, qui est au centre récréatif Saint-Roch et qui a pratiquement... Sur la rue du Prince-Édouard, c'est ça? C'est ça, exactement. Mm-hmm. Donc, juste au bout de Dorchester. De la Couronne, Dorchester, ouais, je pense? Oui, on se trompe toujours. Je crois que c'est de la Couronne. Je pense que c'est de la Couronne. Bon, c'est ça. Fait qu'au bout de la Couronne, le centre communautaire, le centre récréatif qui est là, qui est vraiment transformé en bibliothèque. C'est pas la plus belle bibliothèque au monde, mais pendant les travaux à Gabriel Leroy, ça va faire l'affaire. Il y a presque autant de livres. Il y a 70 postes informatiques. Il y a presque autant de livres. Il y a presque autant de livres, oui. Exactement. On a pratiquement tout déménagé à cet endroit-là. Les seules collections qu'on n'a pas déménagées, c'est tout ce qu'on appelle semi-actif, là. C'est les trucs de les ouvrages de référence que les gens empruntent moins, là. Et les gens vont pouvoir aussi aller commander, ben, faire un prêt en bibliothèque et le commander ici. Ben non, c'est une des bibliothèques du réseau. Oui, maintenant, parce qu'il y a la bibliothèque Gabriel Leroy qui est le pôle central de notre réseau, mais on a quand même 26 bibliothèques. Donc, on est toujours en mode alerte, je dirais, pour s'assurer que, comme Gabriel Leroy est fermé, s'il y a une affluence, une plus grande demande dans les plus petites bibliothèques de quartier, qu'on puisse pallier, soit en termes de personnel, en termes de livres, en termes peut-être d'heures d'ouverture. Toutes les bibliothèques communiquent entre elles. On peut emprunter un livre à un endroit, le réserver à un autre, aller le porter à une troisième. Donc, on veut que ce soit le plus facile possible pour Et, tout le monde. Quand même, la bibliothèque Gabriel Leroy, c'est quand même une bibliothèque très importante, très aimée des gens de Québec, très appréciée. On l'a vu aussi au vernissage Transmutation. Les gens ont rendu hommage à cette bibliothèque. Certains la connaissent depuis ses débuts en 1983. Qu'est-ce qui va advenir quand même de la population, quand même autour? Je crois que vous avez travaillé avec des organismes communautaires du quartier quand même, parce que c'est une bibliothèque souvent... c'est presque un service social. Ben oui, un peu. Une bibliothèque à Québec, c'est à mi-chemin entre une bibliothèque, un centre communautaire, une maison de la culture, un lieu de rassemblement, c'est tout ça. Puis Gabriel Leroy encore plus parce que c'est la bibliothèque avec les heures d'ouverture les plus larges, donc 81 heures ouvertes par semaine, ce qui est quand même pas mal pour une bibliothèque publique. Alors, on a regroupé, on est vraiment allé ratisser large, on est allé regrouper tous les organismes, excusez-moi, communautaires de Saint-Roch, Saint-Sauveur, les alentours, un petit peu dans Vanier. On est allé vraiment chercher le plus de gens possible, tous les organismes, tous les travailleurs qui sont touchés par cette fermeture-là, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens vulnérables qui vont continuer de fréquenter Gabriel Leroy ou le centre récréatif Saint-Roch. Alors, c'est important pour nous, un, de diffuser l'information pour pas que personne, lundi dernier, se bute le nez à une bibliothèque fermée. Oui. Que les gens savent où aller, sachent où aller, qu'il y ait une nouvelle bibliothèque, que les services sont pas interrompus. Et au lieu de traîner peut-être
au coin revue, ben peut-être traîner ailleurs à l'Aubrivière ou au Centre récréatif Saint-Roch. Oui, puis c'est tous des organismes comme ça, l'Engrenage, l'Aubervière, justement, le regroupement pour d'aide aux itinérants et itinérantes de Québec. Donc, tous ces organismes-là ont fait vraiment un travail extraordinaire. Puis ça fait des mois que ça se prépare pour être certain qu'eux autres aient toutes les informations en main pour répondre aux besoins, pour pouvoir les orienter ailleurs. C'est une information qui peut vraiment sembler anodine pour certains, mais c'est un dossier sur lequel on a travaillé longtemps. Puis finalement, on a décidé que pendant les travaux, il va y avoir une unité là, de salle de bain, de toilette. Quand même complet là, dans la cour de Gabriel Leroy, parce qu'on sait que les toilettes de Gabriel Leroy venaient pallier vraiment un manque. Oui. Puis c'était très important de ne pas briser ce service-là, des fois de marcher quelques centaines de mètres de plus. C'était pas super. On sait donc, que les commerçants sont souvent une toilette emménagée spécialement donc pour les personnes qui pourraient être sur le terrain, mais à côté de la tour fresque peut-être. Oui. Non, mais c'est très bien aménagé. Oui. C'est vraiment avec un agent de sécurité qui fait le ménage. Tout va être propre. Ah, oui. C'est un bel aménagement. Puis je dis ça comme ça, ça a l'air anodin, mais quand on en parlait aux organismes communautaires, c'était un de leurs plus grands besoins, c'était ça. Mais quand on connaît les besoins aussi du quartier, puis on parlait aussi, on ne se le cachera pas, des centres d'injection supervisés. Et ben, je crois qu'il va y en avoir peut-être un, en tout cas. Il y a un projet en cours. Il y a un projet hein, en c'est cours. Ça, oui, avec la police. Puis je sais qu'Gabriel Leroy, c'eût été quand même un lieu où il y a de la demande. Oui. Donc, c'est sûr que c'est bien d'aménager du moins une toilette. Ben, c'est un lieu où, c'est ça, un lieu qui est bien aménagé, qui est sécuritaire, parce qu'on ne veut pas non plus que les gens fassent leurs besoins n'importe où. Non. On n'a pas de centre d'injection supervisée encore à Québec. Ouais. On aimerait ça en avoir un éventuellement. On sait qu'il y a quand même pas mal de gens à Québec, dans le coin de Saint-Roch. Vous savez, dans les toilettes de Gabriel Leroy, on trouvait beaucoup de seringues. Là. Donc, on sait qu'il y a quand même une concentration à cet endroit-là. Donc, au moins, s'il y a un endroit sécuritaire pour ça, sans jugement, sans supervision, en attendant, évidemment, le centre d'injection supervisé. Là. Donc, c'est des choses comme ça, des dossiers, des besoins qu'on a travaillé pendant quand même assez longtemps, des mois. Puis moi, je suis responsable de la culture à la ville. Je vais à la bibliothèque, je parle aux bibliothécaires, je croise les gens dans la rue. Mais ma première pensée, quand on dit « bon, on va fermer Gabriel Leroy pour la rénover », moi, je me dis « ben, il ne faut pas couper les services d'Internet puis de livres ». Ouais. Mais en parlant aux organismes communautaires, tu te rends compte qu'il y a toute une autre panoplie de services qui sont essentiels. Là. Des services même plus humains et importants pour le quotidien des gens de Saint-Roch. Est-ce que, j'aimerais savoir à quoi ressemblera la bibliothèque du futur? Oui. C'est un projet d'une quarantaine de millions quand même. Oui, c'est à peu près 42 millions. Dont 10 millions provient du gouvernement du Québec, du ministère de la Culture. Donc, il y a quand même une participation financière du gouvernement. Puis là, c'est ça, je l'ai en face, là. On la voit on à l'extérieur, en face de c'est nous. Ça. Vous êtes chanceux, vous êtes déjà voisin de la bibliothèque. Oui, on est très chanceux. Oui. Alors, en ce moment, la bibliothèque, c'est, je dirais, un cube de béton, de briques, là. C'est pas la bibliothèque qui est la plus lumineuse, mais à l'époque, c'était une merveille pratiquement d'architecture. Oui, en 83, c'était une merveille de la modernité. Oui, exact. Fait que là, bon, on est rendu ailleurs, puis on veut penser à plus loin aussi. Donc, on agrandit la bibliothèque de 1. Donc, la façade qui est là va se ramasser jusque dans la rue. Alors, on gagne tout cet espace-là qui va être vraiment extraordinaire. On va bonifier tout l'espace jeunesse à l'intérieur pour que ça devienne... En ce moment, il est comme dans un coin, là. Mais on veut vraiment que ce soit un super de bel espace, même avec une portion à l'extérieur où les enfants pourraient prendre l'air, puis jouer, puis crier, puis il n'y aurait pas de problème. Puis c'est surtout que tout l'espace agrandi va être complètement vitré. Alors, on vient ajouter de la lumière, on vient épurer tout ça. Puis, c'est un peu symbolique en même temps parce qu'une bibliothèque,
surtout une bibliothèque comme celle-là, on veut qu'elle soit la plus accessible possible. Ouais. Puis l'architecture, ça parle. Puis quand c'est transparent, quand c'est lumineux, ça attire les gens. Puis des grandes portes accueillantes où tu n'as pas peur de rentrer. Si tu veux rentrer dans une bibliothèque, puis ne pas dire « Ah, ben tu sais, je peux aller à l'université, j'ai-tu le droit d'être ici? Je veux juste aller sur Internet, j'ai-tu le droit d'être ici? » Tu sais, on veut pas que les gens se posent ces questions-là. J'ai un café dans ma main, je suis correct? Tu sais, c'est vraiment, on n'est pas dans ces questions-là du tout. On veut que tout le monde puisse entrer dans la bibliothèque sans trop se poser de questions. On va avoir 4 étages quand même bien définis avec des intérêts très particuliers. Et on agrandit encore plus l'offre de services. Donc, on connaît la bibliothèque traditionnelle, les livres, mais là, on s'en va dans le prêt d'objets. Puis ça, je trouve ça particulièrement intéressant parce que dans une perspective, disons, de zéro déchet ou de se dire, tant qu'à acheter une friteuse, tu sais, t'achètes une friteuse, tu fais des frites une fois dans l'année, ben là, tu pourrais aller emprunter une friteuse à la bibliothèque. À la bibliothèque du futur. Ben oui, ben, tu sais, ou des outils de jardinage, des choses comme ça. Est-ce qu'il va y avoir encore les archives de la Ville de Québec? Oui. Ainsi que le prêt d'œuvre d'art. Le prêt d'œuvre d'art qui revient. Ça, c'est le seul service qui est arrêté temporairement. C'était trop compliqué là, de poursuivre ça au Centre récréatif Saint-Roch. Mais le prêt d'œuvre d'art revient. L'Artothèque, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est vraiment super de pouvoir emprunter des œuvres d'art pour quelques dollars par année. Là, je pense qu'on peut emprunter 3 mois puis renouveler une certaine période de temps. Là. Pour 4-5 $, c'est quand même très intéressant. Donc, tous les services actuels reviennent, plus bonification, salle de spectacle, multifonctionnel, à l'usage des organismes. Une salle de spectacle également. Oui, parce qu'on sait qu'on a perdu la salle de spectacle il y a quelques années. L'ancien auditorium, oui. C'est ça, exactement. Donc, on va le retrouver l'auditorium, mais au goût du jour. On a très hâte à la bibliothèque, Gabrielle Roy du futur. Moi, j'ai très hâte, en tout cas. C'est sûr que ça va être quoi, 2 ans d'attente? Oui. Mais ça va valoir quand même la chandelle, l'attente. Bien, merci beaucoup, Alicia Despins, pour ta présence ici. Merci. C'est très, très bien expliqué. Et j'ai très hâte de couper le ruban de la nouvelle bibliothèque. Oui, moi aussi. Eh bien, on va y aller en musique. J'avais dit que je ferais jouer la chanson française, en espérant que mon téléphone ne me fasse pas de défaut. Mais je pense que je vais jouer pendant que les champs brûlent.
Alors, vous écoutiez « Pendant que les champs brûlent » de Niagara. Et oui, j'avais oublié de mentionner le nom du groupe de musique. Donc, c'est de la pop franco des années 80, comme on les aime. Je suis ici en studio à CKIA 88,3, accompagnée de Madame de compagnie, Lux. Allô! Bonjour! Et aussi d'un merveilleux auditoire, merveilleux public. Ben, Lux, je t'ai invitée aussi pour que tu puisses perdre du temps. Comme tu le fais si bien. Mais oui, on va meubler de l'espace. Oh, meuble-là. C'est donc bien gentil. Fait que je me suis dit qu'on pourrait parler du collectif Rayon. Mais oui, parce que c'est donnant-donnant. Alors, mais que se passe-t-il? Lux, poète, vos papiers, tu es poète dans ben la vie. Oui, ça a l'air. Poète de métier, c'est payant, la poésie. C'est quelque chose. C'est très payant. Ah ben oui. Ah oui. C'est gratifiant. Surtout passé 35 ans, les subventions pleuvent. Mais en effet, surtout en effet. Quand tu n'es pas publié. En tout cas, bref. Que se passe-t-il avec ton collectif de poésie, le collectif Ramène? Mon collectif de poésie, mon collectif de poésie. The collectif. Hey. Non, on est. Je pense qu'on est fous. Pour vrai, là, je pense que ça a été fondé par des gens fous qui avaient des graves problèmes dans leur tête. De maladie mentale. De maladie mentale très, très, très prononcée. J'en fais partie. Cette maladie, c'était la poésie, qui est une maladie mentale transmissible textuellement. Vous irez voir sur Internet. Bref, je pense qu'on est fou, parce que si je fais le décompte de tout ce qu'on a fait en 4 ans, ben c'est presque impossible. Je pense que c'est inhumain, puis c'est la somme d'efforts colossaux. Donc, tous les spectacles, les récitals colossaux, de poésie. Colossaux, puis presque inhumains. Les fanzines. Je peux dire que le résultat... Parce que moi, je suis là depuis le début avec Annaëlle Turcotte. Le début, c'était quand? C'était en avril, mai 2015, quelque chose comme ça. Ouais, mai. Ouais. 2015. Ouais. Puis vraiment, tu sais, chapeau à tout le monde qui sont là, qui ont participé de près ou de loin. Toi aussi, c'est vrai, Alix, t'étais là-dedans au début. Toi aussi, tu es atteinte d'une maladie mentale, je l'annonce à tout le monde. ben oui, il faut démythifier. Bref, notre mission, c'est justement ça, démythifier, démocratiser la poésie, puis la rendre accessible, et ensuite, aller plus loin pour ceux que ça chante. Dans le collectif, puis dans notre entourage, il y en a plusieurs qui ont poursuivi une carrière là-dedans. Il y en a certains qui ont publié. Moi, j'ai décidé que j'écrivais plus, donc ça s'arrête là. Pour moi, c'est correct. Puis, ben, c'est pas vrai, c'est un mensonge. Des fois, j'écris encore un petit peu. Puis, dans Ramène aussi, on a une vision autant en création qu'en diffusion. On a ce petit côté-là, essayer de donner une voix aux gens, puis ça a toujours été, puis c'est encore plus présent maintenant, que ce soit dans l'institution, par la Maison de la littérature, ou avec le mois de la poésie, ou bientôt Québec en toutes lettres, ou à l'extérieur, tu sais, avec les soirées mensuelles qu'on fait maintenant sans première ovation, peut-être avec une autre subvention plus tard. Et que s'est-il passé à la dernière soirée qui avait lieu vendredi dernier à la librairie Saint-Jean-Baptiste? C'est le début, encore une fois, d'une chose nouvelle. Parce que là, on trouvait que ça faisait longtemps qu'on n'avait rien fait de complètement sauter sur le crunk. Fait que là, on s'est dit, pourquoi ne pas partir un podcast? C'est le fun, un podcast. C'est l'avenir, le podcast. C'est l'avenir. Tout le monde écoute des podcasts. Parce qu'on se disait, les soirées mensuelles sont assez populaires. Il y a pas mal tout le temps, vraiment quand même, beaucoup de monde qui sont là. Puis il y a beaucoup de voix qui sont passées par là. Puis, mais on se faisait souvent reprocher, c'est trop petit. Tu sais, c'est plein, il fait chaud, puis vous devriez changer d'aller, de place. J'ai pas pu y aller. C'est ça, on se fait fermer la porte, tu sais. Mais là, la salle est petite, mais en même temps, elle tellement est chaleureuse. Puis nous, on s'est dit non, on reste là. Mais là, la dernière soirée, on s'est dit, on l'enregistre. Et les voix qui ont performé ce soir-là seront diffusées dans le podcast. C'est sûr, on va choisir les meilleurs moments. Allez-vous parce que ça essayer reste de mettre... une longue soirée. Est-ce que vous allez faire des petits fichiers ou vous allez faire un long fichier? C'est pas encore décidé. C'est encore en construction. En construction. Oui, c'est comme tout ce qui est nouveau. Là, c'est encore embryonnaire, on pourrait dire, mais ça s'en serait, vient. Donc, les gens pourraient se réécouter
et oui. aussi se diffuser eux-mêmes. C'est ça l'idée, c'est de rendre la poésie non seulement accessible à un plus grand public, mais accessible. T'sais, l'Internet, c'est mondial. Donc, t'sais, la librairie est petite, mais l'Internet est vaste. Et on remarque aussi, on dirait que je suis dans une dissertation, on remarque, les gens, hashtag les gens, ils se filmaient, mais les gens, ils veulent être vus. Donc, ils se sont mis à se filmer. Mais c'est bien. Maintenant, on peut leur dire, là, vous n'avez pas besoin de vous filmer à chaque prestation pour envoyer ça à vos... Mais vous pouvez vous filmer en Facebook Live, mais vous pouvez aussi profiter de notre podcast pour vous diffuser. Ben vous-même. Voilà. Voilà. Mm-hmm. Donc, ça offre d'autres possibilités. Là. Donc, on est fiers de bâtir ce projet-là ensemble. Là, maintenant, dans Ramène, on est 6. Puis là, on remarque depuis environ un an, là, c'est plus des jeunes qui sont là, puis ils apportent d'autres idées que, tu sais, moi, je fais comme, bah, allez-y, hein, on s'amuse. Pourquoi pas? La technologie, la belle jeunesse. Appel, ben oui, la belle jeunesse. Fait que, tu sais, on est comme, on est tout feu, tout flamme, je dirais. C'est le fun. Puis là, ben, tantôt, je disais que j'écrivais plus. Ben, c'est faux. J'écris un peu. Fait que là, j'ai fait un petit poème, là. D'habitude, je fais des improvisations à la radio. D'accord, il nous reste pas beaucoup de temps. Je me lance. Je me prépare à devenir vieille. Au début, une fatigue, un tiraillement, des cernes visibles, une ligne creusée sous chaque œil. Je tente de les chasser, de tirer sur mes paupières. Non. Les signes s'accumulent, nombreux. Je mords un fruit. Du sang pisse de mes gencives sur la chair pâle. Je perdrai mes dents. Elles ont toujours été moches, de toute façon. Mes jambes se couvrent de bosses bleues. Les varices éclateront bien assez vite en toile d'araignée. Mes cheveux deviennent plus rares, plus ternes. On voit un peu la peau du crâne. Ma mère tient ma main. Ton corps change. Sourire complice. Bientôt, j'aurai la paix avec mes ovaires. Je me prépare à devenir vieille alors que partout autour de moi, on tente encore d'adulter. On me prend plus rarement en photo, d'autres brillent plus que moi. Je distribue mes souvenirs, mes mots à qui les veut bien. Mon corps lui-même se dilapide, se déshydrate. Le mois d'août passe toujours trop vite. Merci, Lux. C'est drôle parce qu'on n'a même pas pu parler de Lesbian Break of Song, mais ça veut dire qu'on va en parler à la prochaine émission. Il nous en reste 2 minutes. Ben, je voulais quand même vous conseiller d'écouter ce clip qui a beaucoup fait jaser. Max, toi, tu l'as vu, le clip? Mm-hmm. C'est le clip de... Donc, c'est Safia Nolin qui fait appel à The Womanhood Project, un projet dont on avait parlé pour réaliser ce clip. On y voit donc des personnes non-binaires, des femmes, aussi une femme enceinte, donc toutes ces personnes nues, que ce soit en contexte, dans un champ, nu, ou encore en studio, un peu... comme des œuvres d'art. Vraiment un magnifique clip. Alors, allez écouter ça. On va en jaser peut-être plus en profondeur à la prochaine émission. Qui a énormément fait jaser. Ah oui. et qui continue de faire jaser. Mais c'est déjà la fin pour l'émission Les Simones, animée cette fois-ci par moi. Oui, Alix Paré-Valran. J'ai survécu à l'animation. C'est très stressant d'animer une émission. Merci. Je félicite Sophie de l'avoir faite au moins 80 fois. Nous recevions donc Narcisse pour son projet musique, en prestation musique. On recevait aussi Lux pour nous parler de ses projets poésie et nous lire un merveilleux poème. Nous recevions aussi la conseillère municipale Alicia Despins qui venait nous parler de la Bibliothèque du futur. Et avec tout ce
ce public en pamoison, on l'espère. Merci infiniment à Maxine Maillet, DJ Poutine Râpé, pour la mise en onde. Elle a fait ça de main de maître. Et merci à toutes ces personnes qui ont su bien nous écouter. Merci, on se revoit à la prochaine émission. Vous écoutez CKIA 88.3, Radio Urbaine. Le réseau des maisons du patrimoine présente. Des personnages du passé font revivre quelques points de